Maison des jeunes et de la culture. On va mettre ça. C'est marrant parce que dans culture et Nature. ature. Ça commence super pour le bec. Quand même, c'est un peu classe pour une MJC. Alors on attend le sujet parce que là on a eu que les thèmes qui sont bien merdiques parce que les deux se ressemblent tellement qu'on pourrait en choisir un des deux, ce serait le même film muet et film d'époque. La contrainte de cette année est un accessoire de costume, c'est un gilet jaune. Attends que Jason, ce prénom de... C'est référence subtile et... À qui? À moi. Tu t'appelles pas Jason? C'est mon troisième prénom. Ah, je savais pas la ref. Guillaume, bibliothèque, Jason... Compte. Bibliothèque? Ouais. Et pas même, mais pas trop. Donc vous voyez, là, il y a plein de neige dehors, donc on va pas pouvoir tourner dehors, parce qu'il y a une alerte orange. Mais c'est pas très grave, parce que... On a un plan de secours, ça va bien se passer, je veux dire, on est... On est vraiment pas trop dans la merde, on n'a pas travaillé pour rien hier soir, enfin si un petit peu, mais ça c'est pas dramatique parce que on a plein de bonnes idées derrière, donc je pense que ça va bien se passer, parce que vraiment on a une équipe du tonnerre et voilà, tout va bien se passer, il n'y a aucun problème. Putain tiens! C'était le gros bordel, mais elle est pas mal. Ce que j'allais dire, la pince, tu peux la garder sur toi. Ah. Et la poser que quand on est passé, tu vois. Attends, toi aussi, attends, tu vas sur Grimfrost. Salut. C'est la police. Moteur. J'ai un énorme chibre. On y va. La grippe, c'est chiant. J'aime profondément ma copine. C'est la dernière. Ça tourne? Ouais, vas-y. Bon, le plan séquence c'est fait, c'était chiant, c'était galère, on a passé beaucoup trop de temps dessus. Et maintenant on va passer. Et je suis en train de décéder. Et du coup là on va passer. Et ça tapait, ça nous d'ailleurs. Je me sens lourd, là, fatigué. Et en plus, je suis malade. Tu peux rentrer silence? Oui, aussi, je peux faire ça aussi. Alors ça y est, le plan séquence est terminé, ça a duré pas mal de temps, mais c'était cool quand même. Ah mais pourquoi vous pouvez pas fermer vos. T'as besoin d'aide dans ton cadre? Mais c'est bon là, vous cassez le fil. Il y a une ambiance de merde sur le tournage là. Déjà on est en retard, on peut même pas filmer dehors. Et là je me ramasse que des trous là. Là regarde là, ce mec, là c'est un trou du. Là c'est un trou du.
Là, ça a trop du côté. Mais tu vas aller te faire que des. Eh ben, je me casse. Voilà, c'est bon. Vie de. Tournage de. Avec que des. Voilà, j'en ai marre. C'était cool. Il y a la voiture. Non, Tiber, on déconne, reviens. Acteur studio. Ah bonjour, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Contrairement à ce qu'on pourrait le penser, la musique de film, c'est vraiment pas compliqué. Forcément, vu qu'on devait faire un film muet, on savait qu'il n'y aurait pas de prise de son au tournage et que la musique allait, eh bien, tout simplement prendre une place importante dans le film. Piocher des musiques de film libres de droit, tout ça, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut aller faire des recherches, tout ça. Et vu que je suis quelqu'un de très talentueux, je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant les faire moi-même. Et vu que je suis aussi quelqu'un de très fainéant, je me suis dit... Eh ben autant prendre des projets de musique que j'ai déjà composés. Du coup, j'ai pas mal pioché dans la BO de notre film Goddamn Lost qu'on a fait l'été dernier, et je me suis basé à partir de ça pour faire la musique du film. On a donc ici un des thèmes principaux du film. Les musiques de films muets ont vraiment cette particularité d'être extrêmement pathétiques, d'être toujours dans l'exagération, et forcément quand on a des moments qui sont tristes, tiens debout toi ou je te pète la gueule, on tombe sur des musiques qui vont être exagérément triste, et là ça tombe bien parce que j'en avais une sous le coude. Donc pour pas trop que ça se voit que quand même je pompais pas mal ce que j'avais fait, j'ai donc changé la signature du morceau pour en faire d'un rythme ternaire un rythme binaire, donc impliqué de devoir ajouter 2-3 notes par moment. C'était un peu la partie la plus chiante à produire. Alors il fallait évidemment que pour la grosse rupture de tonalité du film, on aille prendre quelque chose qui jure complètement avec le registre du film muet, donc on a été pioché dans une musique que j'ai enregistrée il y a quelques temps pour les copains de Wandering Stream, en prenant un passage qui est forcément bien, bien rock, bien métal, et qui fait toute la texture et toute la saveur du film, et forcément de l'attrait humoristique de la production. Ensuite vient évidemment le passage de la claque qui est très triste, le passage où le personnage doit remettre en question plus ou moins toute son existence et toute sa raison d'être. Je suis très simplement resté sur un autre morceau de ma BO de Goddamn Lost qui s'appelle Paire de sonalités. Tu as la plus belle paire de sonalités que j'ai jamais vue de ma vie. Là également j'avais la chance justement d'aller piocher ce morceau parce que j'avais des pistes de violon, d'un vrai violon que Étienne de Wandering Stream justement avait enregistré spécialement pour la BO, pour moi, pour nous, merci Étienne, coucou Étienne. Le problème c'est que vu que moi je ne joue pas de violon et que j'avais ces pistes là, j'ai dû garder la structure de la musique. Si je garde uniquement les pièces que Étienne a enregistrées, et vu que j'ai modifié la ligne principale de la musique et que j'avais pas les pistes au violon, eh ben c'est la magie de la musique tout en numérique, et eh ben j'ai transformé le violon en piano. Et on est tombé sur un truc qui ressemble absolument pas du tout à la musique de Goddamn Lost. Évidemment, dernier truc très important, il était important que la musique tombe pile au moment où Jérém donne une claque à Tiber, non seulement parce que c'est très drôle, mais aussi parce que Jérémy est tellement gentil qu'il sait pas mettre des claques, qui dit film muet dit pas de bruitage, donc forcément il fallait que la musique tombe avec la claque. Putain, et dire que quand je leur dis que je suis un génie, ils veulent pas me croire. Et enfin, la pièce maîtresse et finale du 48 heures, il fallait une musique qui soit très joyeuse, parce qu'à la fin, tout est joyeux, tout va bien, le monde est gentil, même si c'est pas vraiment du tout vrai, parce que le monde est une pourriture, tout le monde est destiné à mourir, d'ailleurs le héros principal meurt, parce que la vie est absurde, la vie n'a aucun sens,
tout comme sa vie parce qu'il meurt à la fin. Et pour la musique de fin, il fallait un truc très pop, très joyeux, très tendance actuelle, donc j'ai fait cette petite musique à la va-vite qui a même pour titre « Instru de merde » tellement que j'en ai rien à foutre. Et évidemment, pour les accords, il suffit de prendre les fameux 4 accords magiques que tout le monde connaît, qui sont utilisés dans au moins 95% des plus gros tubes de tous les temps, y compris même parmi les plus grands tubes de pop de Vivaldi ou Beethoven ou même Mozart. Il suffit de taper ces 4 accords à la con à un certain rythme. Et puis ça donne ça. Et ajouter une musique bien entraînante et bien chiante par-dessus et ça donne ça. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on compose un chef-d'œuvre musical pour un film muet. Si jamais vous avez des questions et que vous voulez savoir quel type d'accord, quel type de texture ou d'instrument il vaudrait mieux utiliser pour vos films, à vous, eh bien n'hésitez surtout pas à les chercher sur Google.